Chers abonnés, bonjour. Bonjour à tous. Je vous souhaite une très 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 heureuse, une très heureuse année 2022. Une très heureuse année 2022, en espérant que l'année 2022 sera le contraire de ce qu'on nous annonce. Oui, parce que j'ai beaucoup lu de livres de prédictions. J'ai beaucoup lu de livres de prédictions, j'ai lu des livres d'horoscope et je lis dans ces livres-là, oui, l'année 2022 va être une année difficile, ça va être une année de guerre, il va y avoir des conflits. Oui, c'est peut-être possible qu'il y aura quelques conflits, mais les conflits, ça a toujours existé sur la Terre. C'est pas forcément 2022, même avant 2022, même quand nos arrière-grands-parents, nos grands-parents étaient sur la Terre. Il y a toujours eu des tensions, des conflits. Donc, est-ce que c'est vraiment spécialement 2022 qu'on découvre les conflits, qu'on découvre que ça ne va pas? Est-ce que ça ne va pas depuis longtemps? Est-ce que ça ne va pas depuis longtemps? Est-ce que c'est spécialement 2022 qui va nous dire que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que ça allait bien, par exemple, je ne sais pas, il y a 2-3 ans? Est-ce que vous pensez que c'était mieux il y a 2-3 ans? Donc, c'est bien gentil de nous prévenir que l'année 2022 va être difficile, mais ça dépend où vous vous trouvez, dans quel secteur géographique vous êtes, ça dépend des conditions, ça dépend de plein de choses. En tout cas, quoi qu'il arrive, comme on dit dans la vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Même dans le malheur, chacun peut sortir de sa condition, chacun peut trouver sa chance. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc souhaitons vraiment, en tout cas franchement, c'est bien de nous prévenir pour qu'on fasse attention, parce que c'est vrai que 2022, oui, économiquement, ça va pas être une année facile, c'est vrai. Il y a des tensions politiques partout, sur toute la planète, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, même ici en France, ça va pas trop. Et puis on a traversé, bien sûr, les épreuves avec les gilets jaunes, là, on a traversé des épreuves, ça a été difficile. Avec la crise du Covid aussi également, sur le plan sanitaire, il y a beaucoup de familles, malheureusement, des personnes même qui se sont retrouvées à la rue, qui n'ont pas pu payer le dernier loyer parce que qu'ont été obligées d'arrêter leur activité parce que à cause du Covid. Et puis également le problème du vaccin. Voilà, le problème du vaccin. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu prendre de risques. Il y a des femmes aussi, hein, des femmes pour leurs enfants qui n'ont pas voulu prendre de risque avec le vaccin, ou des hommes qui n'ont pas voulu prendre le risque avec le vaccin, qui ont été obligés de laisser tomber leur travail parce qu'il fallait qu'ils soient vaccinés pour aller travailler, donc ils se sont retrouvés sans emploi, qui ont eu des problèmes de logement parce qu'il fallait payer le dernier loyer. Donc c'est vrai que non, ça c'est vrai que déjà même l'année 2021 a été très dure, et je comprends qu'avec le renforcement de cette crise qui est en train de se faire, je comprends que 2022 va être difficile, que ça va y avoir des tensions, des conflits. Oui, on est d'accord. Après, ce qu'on souhaite en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que, comme justement dans les livres de prédiction, que ça soit dans les prédictions bibliques ou dans les prédictions des horoscopes, tout ça, on dit que en 2022, celui qui sait rester courageux saura saisir sa chance. Parce que comme on dit dans la vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance dans la vie. Tu peux pas me dire, je sais pas, bon, si tu as 20 ans, tu es jeune, tu n'as peut-être pas encore eu le temps de prendre tes chances. Quoique la valeur n'attend point le nombre des années, aujourd'hui on voit des jeunes qui ont 25 ans, qui ont même pas 25 ans, qui ont 22 ans, qui ont la chance. Tant mieux pour ces jeunes-là, s'ils peuvent investir, s'ils peuvent aider leur famille, s'ils peuvent nous apporter. Ils peuvent nous apporter du savoir, des constructions, nous apporter, je sais pas, des inventions. Tant mieux s'ils ont l'argent qu'ils peuvent se financer des inventions. Ça, c'est bien pour nous, pour la société. Mais
Mais, MIS, mais en tout cas, l'année 2022 sera pour les personnes courageuses, les personnes qui tiendront jusqu'au bout auront leur chance. C'est pas possible que la Terre, Dieu ne peut pas abandonner des personnes courageuses qui tiennent jusqu'au bout, des personnes qui rassemblent leurs forces, qui essaient de s'en sortir, Dieu peut pas t'abandonner. Comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc l'année 2022, là, l'année 2022, ça sera la chance pour les personnes qui se sont accrochées en 2021, pour les personnes qui ont décidé de ne pas décrocher, qui ont décidé de s'agripper, des personnes qui ont utilisé tout ce qu'ils avaient en eux, 2022 ne va pas les laisser. 2022, je vous dis, 2022, ça sera la chance pour les personnes qui ne se découragent pas, qui s'agrippent et qui surtout qui ne se laissent pas. Qui ne se laissent pas abattre, qui ne se laissent pas intimider. Mais c'est vrai que 2022, forcément, 2022 ne va pas être facile, ça c'est sûr, sur le plan économique avec la crise sanitaire. Beaucoup de gens ont été obligés de laisser tomber leur travail, c'est vrai, à cause du vaccin. 2022 va pas être facile, ça c'est sûr. Mais comme on dit, tout le monde a sa chance dans la vie. Celui qui se bat a toujours sa chance. C'est pas possible que tu te bats toute ta vie, que tu t'es battu toute ta vie et que tu n'as même pas eu une chance dans ta vie, ou même deux ou trois chances. C'est pas possible. En tout cas, bon, si tu as 20 ans, tu es encore jeune. Mais si j'arrive à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, je ne peux pas dire que j'ai pas eu au moins une chance dans ma vie. Si je me suis vraiment battue, je me suis accrochée pour arriver à quelque chose, c'est pas possible que j'arrive même à 50 ans ou à 60 ans et puis dire, ouais, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie, je n'ai pas eu une seule chance dans ma vie, je n'ai rien pu saisir, je n'ai rien pu gagner dans ma vie. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vraiment tu n'as pas eu une seule chance, ça veut dire que tu t'es laissé vivre, ou je sais pas, tu n'as pas fait d'effort. Enfin, je sais pas, ça veut dire que je n'ai pas fait d'effort, je me suis laissé vivre, je n'ai pas résisté, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde a sa chance dans la vie. Personne ne peut arriver à 50 ans et dire qu'il n'a jamais eu la chance dans sa vie. Même si c'est une chance. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, ouais, moi j'ai 50 ans depuis que je suis enfant. Il ne s'est rien présenté devant moi, j'ai jamais eu une seule chance de m'en sortir. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous une heureuse année 2022. Alors, la question vestimentaire, peut-on s'habiller en noir pour la nouvelle année? Peut-on mettre du noir? Ben, bien sûr que le noir, au contraire, c'est une très bonne couleur pour commencer une nouvelle année 2022. C'est vrai que le noir est souvent associé au malheur. Quand on parle de vêtements noirs, on vient nous parler de deuil. Ah ouais, elle habille en noir, elle s'est mise en noir, ça veut dire qu'elle a perdu sa grand-mère ou qu'elle a perdu je ne sais pas qui. Donc non, je n'ai perdu personne au fait, je suis habillée en noir parce que le noir au fait c'est la couleur de la célébration, le noir c'est la couleur de l'élévation spirituelle, c'est cette couleur même que nos ancêtres utilisaient, y mettaient pour les célébrations spirituelles, pour les fêtes spirituelles, pour les joies spirituelles. Donc le noir c'est une couleur de célébration, ce n'est pas forcément une couleur de deuil, c'est pas parce que tu es habillée en noir que tu as perdu quelqu'un, tu peux t'habiller en noir. Pour fêter la nouvelle année 2022, le noir c'est une très très bonne couleur en vêtements. Et regardez, c'est même un châle, un grand châle noir que j'ai mis. C'est même pas une veste, hein. Voilà. je me suis enroulée dans un châle noir et c'est bien, c'est joli et c'est pour fêter la nouvelle année. J'ai perdu personne, c'est pas un truc de malheur, non non non, au contraire. Nos ancêtres, ils se mettaient en noir pour faire les grandes fêtes, pour célébrer les grandes fêtes, les nouvelles années, les élévations spirituelles, les fêtes spirituelles. Donc le noir, c'est aussi une couleur de fête, de célébration, c'est une couleur de joie, c'est pas forcément un deuil, hein. C'est pas que le deuil. Je dis pas, on peut prendre le noir pour le deuil, mais le noir est utilisé aussi pour les fêtes, les grandes cérémonies, les célébrations spirituelles, les joies spirituelles. Donc à l'occasion de la nouvelle année 2022, moi je me suis mise en noir. Parce que c'est une couleur d'élévation spirituelle, c'est une couleur de fête et d'élévation spirituelle. D'ailleurs même, cette couleur était utilisée pour célébrer les personnes qui avaient une grande élévation spirituelle à l'origine. Voilà, donc pas d'ambiguïté, hein, parce que c'est vrai que des fois quand tu es habillé comme ça, en nouvelle année, là tu es comme ça, les gens ils viennent te voir, ah tu as perdu, ah bon c'est la nouvelle année,
Ah, tu es habillée en noir, donc ça veut dire que tu as perdu ta grand-mère. Ah oui, parce que le noir, c'est la couleur du deuil. Non, 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 ça dépend. C'est pas forcément la couleur du deuil, hein. Le noir, là, c'est la couleur aussi de la joie, de la nouvelle année. C'est pas forcément couleur de deuil, hein. C'est pas obligé. Je dis pas oui, ça peut être la couleur du deuil, mais c'est pas une obligation. Tu peux mettre le noir pour aller même à un mariage. Pourquoi pas un mariage, pour aller à une fête, hein. C'est pas forcément parce que tu vas enterrer quelqu'un que tu vas aller t'habiller forcément en noir. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo aujourd'hui. En tout cas, une heureuse année 2022. Il y a plein de bonnes choses qui vous attendent, je vous dis. Et puis même si il y a un secteur où vous ne pouvez pas continuer à cause de la crise, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend encore, peut-être que vous n'avez pas prévu. Oui, parce que c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu étais dans tel secteur, tu laisses tomber ton secteur. Mais qui te dit que ce que tu vas trouver après, là, tu peux trouver une branche où ça peut bien marcher aussi. Une branche, peut-être que tu n'aurais jamais osé s'il n'y avait pas eu cette crise, et peut-être que c'est ta chance, c'est peut-être ta prospérité même qui t'attend. Donc il ne faut pas voir les choses tout au négatif. Dans la vie, des fois, c'est vrai que tu peux te retrouver malheureusement dans les problèmes après une crise, mais après une crise et pendant une crise, tu peux aussi aller vers quelque chose que tu n'aurais jamais pensé et qui peut t'apporter aussi la prospérité, t'apporter une chance que tu n'avais même pas prévue. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée. En tout cas, j'espère que vous avez bien réveillonné. Et je vous souhaite encore une très heureuse année 2022. Avec, en tout cas, franchement, j'espère pour vous la chance et que vous aurez votre chance. Comme on dit dans la vie, tout le monde a sa chance. La chance ne peut pas. Peut pas arriver à quelqu'un et puis laisser les autres, c'est pas possible. Tout le monde a sa chance. On n'a peut-être pas la chance au même moment, mais tout le monde dans la vie a sa chance. Si tu travailles pour avoir ta chance, il n'y a pas de raison que tu n'as rien et que la chance te laisse tomber. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.